Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Pixel Dreamers, une courte émission qui m'offre la possibilité de vous parler de tout comme de rien au sujet de ce jeune média nommé jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un décor en précalculé, une forme de picturalité décomplexée des limitations liées au support et dont la composition faisait souvent l'objet d'un véritable savoir-faire. Nous en avons la parfaite illustration avec le travail de Honne Yasuyuki, qui s'est occupé des décors fixes du jeu Chrono Cross. Ce titre absolument culte traite avec ambition du thème des univers parallèles et amène le joueur à voyager entre le Homeworld et Another World, deux univers parfaitement semblables, mais façonnés toutefois différemment dans la mesure où les événements survenus dans l'un n'ont pas eu forcément les mêmes effets dans l'autre. Au cours d'un chambardement scénaristique que je ne vous dévoilerai pas, le personnage principal se réveille dans un univers pour le moins étrange. Cet entre-deux-mondes chapitré littéralement dans le jeu par Jigen no Hazami, Samayo eru tamashi tachiyo, littéralement interstice dimensionnel, là où les âmes perdues errent. Il s'agit d'un endroit évidemment étrange, du fait de sa caractéristique dimensionnelle insolite et déconcertante, amplifiée par l'égarement scénaristique du joueur qui ne sait résolument plus où il est, ni pourquoi il est là. Ce sentiment de trouble profond s'est vu renforcé par l'anormalité de la représentation graphique des lieux. Cela ne nous a pas échappé, une peinture au sens strict du terme, aux couleurs vives, aux coups de pinceau brutaux dont les contours sont parfaitement visibles, aux formes et courbes étranges. En y regardant de plus près, le décor fait terriblement penser à ces toiles expressionnistes, et je pense notamment à Van Gogh, projetant une subjectivité de la réalité qui occasionne une réaction émotionnelle. Par ailleurs, le parallèle avec Vincent Van Gogh m'a été suggéré par le nom de deux personnages rencontrés dans le jeu. Dans le Homeworld, nous pouvons rencontrer Van, un jeune garçon cynique et désabusé par l'art de son père, Gog, qui n'arrive pas à vendre ses tableaux. Tous deux vivent dans la pauvreté. Dans Another World, Van est un jeune garçon qui souhaite s'épanouir à travers la peinture alors que son père Gog a délaissé le pinceau aux revenus modestes pour s'enrichir de manière indécente dans le commerce lucratif de pierres précieuses. Nous pouvons donc affirmer que Chrono Cross intègre, au sein de ses décors, une véritable toile de fond expressionniste qui souligne la portée troublante des lieux et exalte la sensation d'égarement du joueur ainsi que l'émotion qui accompagne la scène.